Thank you, Patrick. The great speech, always. I respect your good leadership in the Total. My question to you is that we talk about a lot of electric vehicle today. Sharing, ride sharing, new technologies, digitization. And I was once in the Saudi Aramco's board meeting discussing about the peak demand of oil is coming much sooner than later. They are very concerned about the future of the oil. And clean energy is required. What is the strategy of Total preparing for the big change or almost revolution of the petroleum civilization is facing? What Total is going to do with this big energy transformation? Okay. Je réponds en anglais ou en français? Comme tu veux. I will answer in English to be polite with... No? Or in Japanese. No, in Japanese it's impossible. Sorry for that. Bon, alors je réponds en... I will answer in English. I think first, Saudi Arabia should not be worried at all. Because if there is one country which will produce the last drop of oil in this planet, it's Saudi Arabia. Why? Because Saudi Arabia has by far the lowest cost oil on this planet. And as I told during my speech, in 2050, you still have oil and gas in the energy mix. The transformation will not be so quick because you have plenty of use of oil, which is not just electric vehicles and passenger vehicles. Today, we are absolutely unable to put some batteries, electric batteries, on heavy trucks. By the way, the substitute to oil on trucks would be gas, which is why Total is driving to an oil and gas company. So what is the strategy of Total on oil? In fact, it's fundamentally to try to be as Saudi Arabia, to target only the lowest cost resource. It's why we have decided, for example, to stop any exploration in Arctic areas in oil. It's much too expensive, and it's risky. In fact, that this type of resource, even if we discover oil in Arctic poles, will not be produced because there will be no demand for that. So, you know, it was a very famous Saudi oil minister, Shah Yamani, in 2000. He said, the age of stone did not end because of lack of stone, which is true. And he added, and the age of oil will not end because of lack of oil. I perfectly agree with that sentence. It was 17 years ago by a Saudi oil minister, you know. So, I mean, it's a question. So for us, the strategy is let's focus on oil, but low cost. So you have seen Total moving aggressively in many business, in particular in Middle East. Let's also emphasize more on gas, because gas is today the right hydrocarbon. A power plant which is fueled by gas emits twice less CO2 than a power plant which is fueled by coal. So gas is the right transition energy, I would say. It's flexible to go with renewable. So let's increase our gas business, and this is why what we do. And then, last part, let's invest in all these new energies. So we today have, it's small compared to the size of the company, but we have $5 billion of business in low carbon business, in solar, in batteries, in energy efficiency business, and we'll continue to develop it. And we want the company, we have a sort of motto internally, that 20% of the company will be in these low carbon, of these new energies, in 20 years, maybe earlier. It's just a question to convince our investors that we are right to do that. It takes time sometimes because they love the dividends of Total from oil and gas, you know. Jean-Claude Meyer. Vous n'avez pas dit un mot sur le nucléaire. Est-ce que vous pourriez nous dire vos commentaires sur le nucléaire et votre scénario sur cette capacité d'énergie? Il se trouve que j'ai l'habitude de parler de ce que je connais.
Et quand je ne connais pas quelque chose, je suis prudent, surtout que je suis sûr qu'il y a des gens dans la salle qui sont meilleurs que moi sur le nucléaire. Le nucléaire est une énergie qui a toutes les bonnes raisons, aurait plein de bonnes raisons de se développer dans le mix énergétique mondial, notamment lorsqu'on parle de changement climatique, parce que ça n'émet pas de CO2, et que finalement, le problème des déchets nucléaires, il est à 1000 ans, quand le problème du changement climatique, il est à 50 ou 100 ans. Donc on pourrait dire que c'est la solution. Le problème qu'on y a, c'est qu'il y a eu un accident majeur qui s'appelle Fukushima. Et Fukushima, dans un pays, je veux dire, reconnu par sa science, sa technologie, qui est le Japon, a ébranlé beaucoup de certitudes, a eu comme conséquence dans nos pays occidentaux, et notamment la France, qui est le champion du nucléaire mondial, de nous obliger à mettre des standards de sécurité extrêmement élevés, qui rendent le coût du nucléaire aujourd'hui probablement beaucoup plus élevé que beaucoup d'autres énergies. Il y a là un obstacle. Alors ça, c'est le premier point. Alors on pourrait se dire après, le nucléaire, son vrai champ de développement, c'est la Chine et c'est l'Inde. Mais même en Chine, moi j'ai été frappé de voir que Fukushima a ralenti le programme nucléaire chinois. Donc aujourd'hui, je pense que le nucléaire a un potentiel, et l'Inde n'y va pas vraiment pour des raisons de coût. Il faudrait être capable, et c'est compliqué encore une fois parce que là, les questions de sûreté nucléaire sont majeures, il faudrait être capable de revenir à un nucléaire, je dirais, plus accessible pour qu'il soit compétitif. Bon, je ne suis pas... Donc je suis, intellectuellement, je pense que c'est une très bonne solution, notamment par rapport au changement climatique, mais j'observe qu'aujourd'hui, les esprits ne paraissent pas vraiment mûrs pour investir lourdement dans ces filières. Bien, alors, une troisième et dernière question, s'il y en a une, je regarde, troisième, il n'y en a pas, très bien. Alors, je voudrais quand même... Je suis sûr que... Non, je voulais juste... Ah, alors, il y en a une dernière. Renaud Girard, c'est ça, troisième et dernière, et on conclut. C'est l'écologiste. Et puis, je vais dire un mot quand même du 10e anniversaire, je l'ai dit en intro, mais je vais le dire en conclusion. Vous nous avez donné dans cette conférence très intéressante un chiffre que j'ignorais, c'était que donc, la Chine était devenue le premier importateur mondial de pétrole et de gaz, avec 15% d'importation mondiale. Alors, est-ce que Total, qui distribue des produits raffinés un peu partout dans le monde, est-ce que Total fait beaucoup d'argent en Chine, ou est-ce que vous vous êtes vous-même aperçu que peut-être... la Chine n'appliquait pas la réciprocité, c'est-à-dire n'appliquait pas vraiment ses engagements au titre de l'OMC. Non, mais la Chine, attendez, la Chine d'abord une économie d'État. Économie d'État, ce n'est pas une économie libre, la Chine. Il n'y a que quelques juristes à Bruxelles qui le pensent, pardon. Mais ce n'est pas le cas. Et nous faisons face en Chine à une concurrence de sociétés d'État qui prennent des formes diverses. Il y a les grandes sociétés d'État historiques, mais aujourd'hui, vous avez des sociétés dites privées, mais qui sont aussi des sociétés d'État, en fait. Donc, c'est une concurrence complexe. Pour répondre à votre question, il se trouve qu'on a trouvé un segment où on arrive un peu à gagner d'argent, c'est qu'on vend en Chine, aujourd'hui, beaucoup de lubrifiants. Ça reste, objectivement, mineur à la taille du groupe. Rentrer sur le marché chinois... J'ai souvent une phrase avec mes collègues, parce qu'il y a un Graal, tout le monde voit 1,5 milliard de consommateurs, et je leur dis oui, c'est excellent pour le chiffre d'affaires, donc on fait croître le chiffre d'affaires, mais alors en termes de résultats, c'est nul, voire parfois négatif. Donc c'est un pays qui est très complexe, et on peut y arriver, et je pense qu'il y a une condition, c'est arriver à trouver des partenaires, mais tout seul, objectivement, c'est pas simple. Donc aujourd'hui, on a des business en Chine, mais je dirais ça reste pour nous pas un vrai moteur de développement. Par contre, ce qui est très important pour nous sur la Chine, c'est que nous avons fait des Chinois des partenaires. Comme ils devenaient nos concurrents au Moyen-Orient, en Afrique, la stratégie du groupe a été depuis une dizaine d'années d'aller les voir et de leur dire « Non, mais plutôt que de nous attaquer, venez avec nous ». Et aujourd'hui, la compagnie nationale chinoise CNPC est le plus grand partenaire de Total en Irak, en Iran, en Russie, en Afrique, dans quelques pays africains. Donc on a préféré en faire des alliés qu'en faire des concurrents, considérant qu'il valait mieux faire du judo agréable avec eux que du karaté. On avait plus de chances de perdre. Voilà.
Sur ce, je voudrais quand même, avant de quitter la scène, redire un dernier mot. Je l'ai dit en introduction, mais je vais le dire en conclusion. Puis maintenant que Thierry est à côté de moi, c'est plus facile pour, encore une fois, et féliciter Thierry de Montbrial pour cette 10e édition, ce 10e anniversaire de cette conférence, qui, je pense, est un rendez-vous annuel très attendu. Thierry a la capacité d'inviter beaucoup de monde, de personnes du monde entier. J'ai la chance ce soir de rencontrer pour la première fois à la fois le Premier ministre d'Albanie et la Première ministre de Serbie. Je pense que seul Thierry de Montbrial est capable de réunir un tel parterre. En tout cas, bravo et longue vie au World Policy Conference avec le soutien de Total.